Gilles Bloch, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de l'INSERM. Vous vous exprimez peu. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Le nombre de décès est au plus bas en Italie depuis plus de 2 semaines. En France aussi, le nombre de décès à l'hôpital est en baisse. Est-ce que ça veut dire que nous aurions dépassé le pic de l'épidémie ou est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent que cela? Alors, je crois que ce qu'on observe en Italie et en Espagne, il faut quelques jours de confirmation, mais c'est un ralentissement de l'épidémie lié aux mesures de confinement qui ont été prises. Et en France, on a clairement des petits signaux de ralentissement, mais là aussi, il faut plusieurs jours pour se réjouir. Et quel que soit le résultat dans quelques jours, il faut maintenir l'effort collectif de confinement, de gestes barrières. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Est-ce qu'on parle déjà trop de déconfinement? Et n'est-ce pas trop tôt? Quel est votre sentiment? Alors, bon, je crois que d'un côté, il faut entretenir le moral des troupes, entretenir l'espoir en montrant qu'un jour, ça va s'arrêter. Pour un institut de recherche comme l'INSERM, nous parlons scientifiquement du déconfinement parce qu'il va falloir réfléchir et on fournit des données au gouvernement sur la stratégie de déconfinement. On n'imagine pas de pouvoir, du jour au lendemain, relâcher tous nos concitoyens sans aucune contrainte dans la nature. Ce qu'on a appris ces dernières semaines nous donne une leçon majeure sur les précautions à prendre lors du déconfinement. Oui, j'ai bien compris. Lorsque nous passerons en phase de déconfinement, il y aura des précautions à prendre. Je vais vous en parler d'ailleurs. L'exemple italien est très intéressant, l'exemple chinois, l'exemple coréen aussi. Gilles Bloch, le virus, vous allez me parler des traitements, vous allez me parler du futur vaccin, vous allez me parler des recherches, des connaissances sur ce virus qui circule dans le monde. J'avais tout à l'heure sur RMC en ligne un virologue qui nous disait « mais ce virus, faudra apprendre à vivre avec lui pendant peut-être 2 ans, parce qu'il continue à circuler, il continuera à circuler dans le monde. » Est-ce vrai ? Alors, je crois qu'à ce stade, on n'a aucune certitude sur la circulation future du virus dans le monde. On est en train d'apprendre ces mécanismes d'infection. On est en train d'apprendre le nombre de personnes précisément qui sont contaminées par un patient infecté. Tout ça, semaine après semaine, la littérature mondiale s'enrichit. Et très clairement, ce savoir va nous permettre de développer différentes stratégies pour les traitements, pour la vaccination, pour la connaissance basée sur l'épidémiologie, sur les mesures sérologiques pour gérer le déconfinement. Bien, Gilles Bloch, on a beaucoup parlé de toutes les mesures et on ne le répétera pas assez à prendre évidemment pour éviter que le virus ne se propage. Mais j'avais une question comme ça au passage à vous poser. Est-ce qu'on a trouvé du virus dans le sang de malades? Alors, certainement, je ne peux pas vous donner d'informations détaillées là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le test de référence, c'est un test par écouvillonnage nasal profond. C'est ça qui permet d'attester l'infection virale courante. Et donc, aujourd'hui, je reprends le fil de votre question, la priorité, c'est de travailler sur des stratégies thérapeutiques. Et là-dessus, l'INSERM, avec de nombreux partenaires, est fortement engagé sur à la fois de la recherche fondamentale qui permet de comprendre des mécanismes, qui permettra de préparer des armes encore meilleures dans quelques mois, quelques années, mais aussi de donner des réponses immédiates. Et là, c'est les grands essais cliniques qui se développent dans notre pays et dans le monde entier, dont l'essai Discovery, dont vous avez certainement entendu parler. Aussi, voilà. Oui.
Donc je vais vous parler, Gilles Bloch, avant de parler justement de ces traitements, de ces essais, notre impatience est là, évidemment. Alors, moi j'ai envie d'en savoir, j'aimerais savoir si vous le connaissez mieux, ce virus. La transmission, par exemple, je n'ai aucun symptôme, je ne sais pas si je suis porteur du virus, pourtant je peux avoir été infecté. Si j'ai été infecté, vais-je transmettre le virus ? Alors, ça, c'est une réalité probable, hein, des cas asymptomatiques et quand même qui peuvent transmettre le virus. Ça existe dans d'autres maladies virales plus banales. Et c'est une des inconnues sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir modéliser plus précisément la diffusion de cette épidémie actuellement et surtout dans le futur. Je vous pose cette question parce qu'il y a ce grand débat autour du port du masque. Est-ce que vous recommandez le port d'un masque ? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, nous serons obligés de porter un masque au quotidien ? Bon, je crois que le masque, c'est déjà une réalité pratique pour tous les personnels soignants, pour les personnels de laboratoire qui travaillent sur des agents infectieux. Donc, je dirais que c'est une pratique rationnelle, faire barrière à la diffusion des particules qui peuvent être projetées par un patient ou de particules qui peuvent être mises en suspension dans l'air lorsque l'on manipule le virus. Donc, clairement, on a besoin de ces masques. Après, la doctrine pour savoir est-ce que toute la population, à un moment donné, doit porter un masque, c'est en train d'être réfléchi sur les bases des données scientifiques qu'on est en train de produire. Mais vous pensez qu'il va falloir le rendre obligatoire, ce masque ? Écoutez, on a observé des pays qui ont pris cette option. Je crois que chaque pays a sa culture, a ses tolérances sociales. Hein. Je crois que on devrait y passer, avoir assez quoi, si j'ai bien compris. Une doctrine pour voilà. C'est pas exclu. C'est bien entendu soumis à notre capacité d'approvisionner au-delà des besoins les plus urgents, qui sont les besoins pour les soignants, les besoins pour les personnels en contact avec du public, comme les forces de police. Mais le déploiement à la population, bon, il faudra bien évidemment s'appuyer sur des évidences scientifiques et disposer des stocks suffisants de masques le moment venu. Alors, avant de vous parler des tests, je reste sur la transmission de ce virus qui est extrêmement rapide. Alors, faut-il mettre en place une application qui permettrait d'enregistrer tous nos contacts et de nous alerter en cas de rencontre avec une personne porteuse du Covid-19. Alors, bon, ça, vous le savez, c'est une option qui a été prise dans d'autres pays, hein, comme Singapour, comme la Corée du Sud. C'est une hypothèse sur laquelle il faut réfléchir. Il y a une question de faisabilité technique, hein, dans un déploiement rapide, parce que c'est vraiment un outil complexe à mettre en place. Et ça, c'est pas vraiment le métier de l'INSERM, hein. On est plus dans des métiers de l'informatique, dans les métiers du déploiement de grands systèmes de données. Et mais très clairement, on réfléchit à notre niveau de scientifiques biomédicaux sur certains paramètres qu'il faudrait rentrer dans un tel système, en particulier les paramètres de contagiosité lorsque les gens s'approchent les uns des autres, qui permettraient de rendre plus efficace un tel système. Après, comme pour les masques, hein, ce système il renverrait à des questions d'acceptabilité dans notre société. Et ça, je crois que c'est vraiment... Puis des questions éthiques, Gilles Bloch. Des questions éthiques. Il y a des questions éthiques de... Bien sûr, il y a des questions éthiques liées à la vie privée. À ma connaissance, on sait les gérer avec des systèmes totalement anonymes, avec des systèmes de détection de distance entre les individus qui ne donnent pas forcément de géolocalisation. Il y a des solutions technologiques. Oui, vous travaillez avec Orange sur la mobilité des Français, d'ailleurs, hein. Alors, bon, on a développé des collaborations de l'INSERM avec Orange sur certains aspects de modélisation. Et sur le sujet de la sortie de confinement et du monitorage des contacts, là, clairement, ce n'est pas l'INSERM qui serait en leader, parce que ce n'est pas nous qui avons cette expertise d'informatique et de grands systèmes de données. Bien, les tests, les laboratoires, tous les laboratoires, hôpitaux, villes, vétérinaires, départementaux, recherche, gendarmerie, peuvent
peuvent réaliser des tests de dépistage aujourd'hui. Et vous êtes chargé, je crois, de la coordination. Donc, dès aujourd'hui, je suis... Alors, attendez. Je suis patient. Je suis allé voir mon médecin traitant, où je l'ai eu par téléphone, téléconsultation. J'ai une ordonnance, je peux aller me faire tester. Alors, il faut être là aussi... prudent dans le déploiement. La décision de Olivier Véran, c'est de rendre possible la réquisition de laboratoires non médicaux, donc des laboratoires, vous l'avez dit, vétérinaires, des laboratoires de recherche, d'autres types de laboratoires qui disposent des technologies, qui disposent des compétences pour analyser des échantillons. Et donc, il y a une organisation qu'il va falloir mettre en place très rapidement. Moi, je suis chargé, dans le monde de la recherche académique, de travailler avec mes autres collègues d'autres organismes de recherche des universités pour essayer d'identifier les meilleures plateformes et d'aller au contact des agences régionales de santé pour répondre à leurs besoins. Il faudra bien évidemment travailler avec les hôpitaux de proximité et uniquement... sur sollicitation des agences régionales de santé. Je vous sens prudent, là, sur les tests, non, Gilles Bloch ? Non, je crois que le coup d'envoi est donné. Les chercheurs piaffaient, puisque j'ai été inondé, oui. Comme nos ministres, je crois, de manifestations de volontaires qui voulaient mettre leurs outils à disposition. Après, un test de PCR, pour bien préciser de quoi on parle oui. Pour l'instant, c'est un examen médical, c'est un examen qui doit être interprété dans un contexte. Et clairement, il faut que ça se construise dans une relation avec le système de soins. Et on répondra bien sûr présent à la plus grande échelle possible. Oui, et test aujourd'hui remboursé par la Sécurité sociale. Olivier Véran sera avec nous demain, je le précise, sur RMC et BFM TV, le ministre de la Santé. Et je lui parlerai des tests sérologiques et du remboursement des tests sérologiques qui n'est pas acquis pour l'instant. Parlons des traitements avec vous, Gilles Bloch. Alors, l'essai clinique européen Discovery, destiné à évaluer 4 traitements, est en cours, on est bien d'accord. Parmi ces traitements, je vais commencer avec celui dont on parle tant, l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous avez des premiers résultats ? Alors, on n'a pas de résultats aujourd'hui. Le seul résultat qu'on peut partager, c'est que le protocole Discovery avance bien. Hier soir, il y avait 514 patients qui étaient inclus sur les différents sites qui se sont ralliés à cet essai. Donc cet essai se déroule bien. C'est un essai complexe, dans la mesure où on a fait le choix d'un essai adaptatif, où on va pouvoir, au fil des inclusions, au fil des premiers résultats, sortir ou faire rentrer des molécules pour pouvoir vraiment répondre à ce contexte d'urgence sanitaire afin de donner des résultats le plus rapidement possible. Alors, mais pour répondre, on est soumis oui. à. Allez-y. Je vous en prie. Allez-y. Non. Pour répondre à toutes les polémiques, j'ai une question très claire et très simple, Gilles Bloch. Sait-on aujourd'hui si l'hydroxychloroquine est un traitement efficace contre le Covid-19 ? Non, on ne le sait pas. Et c'est pour cela qu'il y a un essai Discovery qui a été lancé, que d'autres essais s'intéressent aussi à cette molécule en la comparant généralement à un placebo et puis à d'autres hypothèses thérapeutiques. Et je pense que la science, elle se construit sur des évidences bien pesées, elle se construit sur une appréciation collective des résultats, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Vous voulez dire par là qu'elle ne se construit pas sur des... Vous voulez dire par là, Gilles Bloch, qu'elle ne se construit pas sur des pétitions ? Je pense que la pétition n'est pas un outil scientifique, c'est une banalité. Nous, à l'INSERM, avec nos partenaires académiques, nous essayons d'apporter au gouvernement, d'apporter à nos concitoyens des réponses rationnelles, des réponses étayées. On ne déploie pas une solution thérapeutique à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, sans avoir des évidences scientifiques solides.
Bien, Gilles Bloch, oui, vous travaillez effectivement pour évaluer un antivirus utilisé pour lutter contre Ebola, un autre traitement contre le sida, un traitement qui associe effectivement le traitement contre le sida et l'interféron. Le vaccin BCG contre la tuberculose aussi, qui est testé, est-il efficace contre le Covid-19? Alors, peut-être pour éclairer les auditeurs qui nous écoutent, il faut se dire qu'il y a deux classes de médicaments aujourd'hui, des médicaments qui sont des antiviraux, hein, comme cette molécule qui a été testée contre Ebola, comme les antiviraux ou antirétroviraux qui sont efficaces contre le HIV. Et puis, il y a des molécules qui vont moduler l'immunité du sujet, soit pour augmenter sa réaction face au virus à un moment donné, soit pour éventuellement diminuer sa réaction lorsqu'il est en phase extrêmement critique, où on sait qu'il y a des emballements qui se font au niveau immunitaire. Et donc l'essai Discovery, il englobe ces deux types de molécules. Typiquement, l'hydroxychloroquine est plutôt un immunomodulateur, l'interféron bêta aussi, et les autres, ce sont des antirétroviraux. Le BCG, c'est une hypothèse qui est explorée là aussi dans certains pays. On pourrait le classer dans la famille des immunomodulateurs, c'est-à-dire qu'il va renforcer la réponse immune d'un sujet. C'est ce qu'il fait contre le bacille de Koch. Et donc, c'est une hypothèse intéressante à explorer et ça se fait dans certains pays. Voilà, pour aider les patients qui sont en réanimation dans une phase aiguë de la maladie, il y a aussi la transfusion de plasma sanguin de personnes guéries sur des patients en phase aiguë. Ça commence aujourd'hui. Alors, pour être précis, c'est un essai qui démarre avec les premiers prélèvements de plasma sur des patients guéris, hein, et le rationnel scientifique là aussi, c'est que les plasmas contiennent les anticorps qui vont pouvoir neutraliser le virus. Et donc il y a un essai qui est lancé avec en particulier le FS, c'est une promotion par la PHP, et l'INSERM est partenaire de cet essai, qui est une stratégie extrêmement rationnelle, plutôt à classer dans la famille des immunomodulateurs, puisque c'est vraiment une réponse immune immédiate qu'on va renforcer avec le plasma. Alors Gilles Bloch, vous comprenez l'impatience de toutes celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, tous ces essais. Quand aurons-nous les conclusions? Quand saurons-nous ce que donnent tous ces traitements? Quand aurons-nous des résultats tangibles? Alors, bon, c'est la question la plus difficile, hein, vous ne me prenez pas par surprise. Oui. On a travaillé d'arrache-pied. Hein, un essai clinique, traditionnellement, ça met des mois à se monter, ça met des années à se réaliser. Et on a fait des choix, par exemple, de faire un essai ouvert sur Discovery, ce qui pose des questions méthodologiques, hein, parce que on a voulu gagner quelques précieuses semaines pour ne pas mettre en fabrication des formes des médicaments qui soient identiques au placebo. Donc on a fait des choix de rapidité. On a ouvert beaucoup de centres, hein, d'abord 5 et maintenant il y a une quinzaine de centres qui sont ouverts, on va encore en ouvrir, ce qui pose vraiment des questions de logistique, d'organisation qui sont particulièrement difficiles à traiter. Donc je crois qu'on va le plus vite possible dans une démarche qui doit rester rigoureuse. Mais c'est quand le plus vite possible? Et, c'est quand? Écoutez, ça va dépendre de deux scénarios extrêmes. Premier scénario, et c'est ce qu'on espère, un des bras thérapeutiques est extrêmement efficace. Et là, comme on fait de la statistique, hein, si on a un effet très fort, on peut le voir à l'horizon de quelques petites semaines. Si on a, c'est-à-dire quelques petites semaines avant la fin du mois de mai. Si dans un scénario favorable, absolument, c'est possible. L'autre extrême, c'est des effets faibles. Et là, on est obligé d'aller jusqu'au bout des inclusions en France, en Europe, puisque Discovery, c'est un essai européen qui va inclure environ 3000 patients à travers l'Europe, pour avoir suffisamment de puissance statistique pour dégager
un effet relativement faible. Donc on est dans une fourchette où l'horizon peut être de quelques semaines ou de quelques petits mois. Et l'autre extrême, hein, c'est si vraiment on ne voit pas d'effet, de toute façon on arrêtera un essai qui ne prouve pas d'efficacité suffisante pour poursuivre. Voilà. Bien, Gilles Bloch, je vous remercie de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagné ce matin. Mais je voudrais rappeler que vous lancez une plateforme afin de récolter des dons pour aider au financement de la recherche sur le Covid-19. Don.inserm.fr, c'est cela ? Oui, comme beaucoup de partenaires, hein, je crois qu'on a bien sûr une forte mobilisation de nos équipes sur la recherche. On a besoin de moyens pour se renforcer. Et donc, je pense que le public est tout à fait en appui de ce besoin. Mais de notre pays. Vous manquez d'argent, Gilles Bloch ? Écoutez, on peut toujours faire mieux avec... plus d'argent. Je vais prendre un exemple de recherche qui potentiellement peut être coûteuse. Hein. C'est la surveillance de la séroconversion à l'échelle d'un gros échantillon de population, où il faudrait dans ce cas-là acheter des centaines de milliers de tests pour pouvoir avoir une réponse sur la protection d'un échantillon représentatif de la population. On est dans des coûts qui peuvent être de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, je pense que pouvoir bénéficier de la générosité du public, c'est quelque chose d'important pour avancer plus vite dans ce type de recherche. Merci beaucoup, Gilles Bloch, PDG de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, d'être venu répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Et demain, je recevrai Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il est 8h55. Merci, Gilles Bloch.